aller devant toi. Vous ne savez pas, vous quittez la merde. Et alors? Vous le savez que c'est un arrêt. Automatiquement, vous quittez la merde. Monsieur, je ne vous ai pas insulté, donc vous ne m'insultez pas, d'accord? On n'est pas du même monde. Tu fermes ta gueule. Appelez les flics, appelez les flics si vous voulez. Il y a la gendarmerie qui sait très bien qu'il y a les chevaux, qu'il y a les cavaliers, qu'il y a la chasse, que les maisons sont juste là, et ça ne change absolument rien. Ah, oh, c'est lié. Ah oui, un sanglier. Heureusement que la chasse à courre est interdite dans l'ortie. Hein. Super, très beau constat. Attention. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils attendent pour les virer? L'arrêter, il sert à quoi si vous laissez la chasse continuer? L'arrêter. Il y a l'arrêter, je l'ai. Vous l'avez? Bah oui. J'ai aucun pouvoir coercition. C'est à nous d'arrêter la chasse là. C'est à nous. Enfin là, si je vais aller voir monsieur Daniel, je vais prendre son feu et dire monsieur, là la chasse à courre elle est interdite. Après tu fais mine de tête copain, après tu ramènes ta gueule autrement. Alors tu fermes ta gueule. Déjà ça commence à me péter là, tu vois. Non, mais les autorités ne veulent pas intervenir. Donc je le fais moi-même parce que c'est aux gens de le faire eux-mêmes. La chasse à courre est arrêtée dans un périmètre de 300 mètres autour de l'habitation. Donc vous circulez de leur course, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Putain. Eh, c'est marrant, ça a pris deux secondes. Les gens vont se faire justice eux-mêmes. Et pas que des gens comme nous qui font 40 kilos et 1m50. Hein. Abolition!